Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Magali. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que je réalise un afro curly. Donc j'ai des cheveux crépus comme vous le voyez et mes cheveux sont du type 4C. Donc la plupart du temps, c'est ce que je fais après m'avoir lavé les cheveux. Donc j'aime faire cette coiffure protectrice, des cordelettes, des twists si vous voulez, pour assouplir mon cheveu et pour me donner des boucles. Je vous conseille aussi d'utiliser un leave-in, une crème pudding, du gel ou de la mousse pour que vos boucles soient mieux définies. Ça aide beaucoup. Donc là, je vais utiliser une brosse qui démêle super bien les cheveux. Je ne sais pas trop comment ce qu'on appelle ce genre de brosse. Et là, je suis en train de peigner mes cheveux pour bien les démêler. Il faut vraiment bien les démêler. Donc mes cheveux sont encore mouillés et ça fait que le peigne passe assez bien. Ça me facilite la tâche aussi. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment très facile à réaliser. Vous allez juste séparer vos cheveux en deux parties et tourner les deux parties ensemble en fait, faire rouler en même temps. Donc là, je vous laisse regarder ce que je suis en train de faire pour mieux comprendre, je pense. Vous n'avez pas besoin de faire des jolies cordelettes, vous n'avez pas besoin de tracer parfaitement en fait. Et aussi, si vous voulez des boucles plus petites, vous devez faire des plus petites cordelettes ou des twists. Je vous conseille de défaire vos cordelettes ou twists très doucement et faites attention parce que vous aurez peut-être des nœuds. Donc prenez votre temps. Donc là, je vais prendre un peigne à gros ou à grands dents pour manipuler la racine de mes cheveux et pour donner du volume. Après ça, ce que je vais faire, je vais commencer à manipuler mes cheveux pour donner un peu plus de forme. Je vais continuer à séparer mes boucles pour redonner de la forme et un peu plus de volume à mes cheveux. Donc voilà, pour ce, on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!